Salut à toutes et à tous, c'est CarGameTV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite série de vidéos hein, sur cela. On sait pas, c'est pas une quinzaine de vidéos. Je pense en faire moins. Bon, je vous expliquerai. Donc le jeu c'est Cosmotir. Donc actuellement, il est en alpha, donc en alpha 11.9, donc il est gratuit. Donc pour le moment, tout le monde peut y jouer. Il est entièrement en anglais, même si pour une alpha comme il y a un support mode, on peut faire des mods et certains dans les mods ont fait la translation en français. En grosse partie, bon moi ça me dérange pas de jouer en anglais, c'est pas non plus très compliqué à comprendre. Donc le jeu Cosmotir, c'est en gros on construit et on pilote, enfin et on commande un vaisseau spatial. Un ou plusieurs, et pour le moment donc il y a que il y a deux modes de jeu, le mode créatif et le mode chasseur de primes. Donc nous on va jouer chasseur de primes. Donc pof, on apparaît. Donc ça c'est notre vaisseau, ça c'est la map de début avec trois ennemis pointés en rouge et ici un système solaire, et là il y a au moins 6 systèmes solaires en tout, avec comme vous pouvez le voir ici c'est plus il y a de traits plus c'est difficile. Donc 1 1 2, ici c'est 3, après il y a 4 et là il y a 5, et 5 étant je crois le plus fort et étant de très très gros vaisseaux. J'ai déjà joué un petit peu avant, je sais que venir avec avec deux vaisseaux comme celui-ci exactement et trois comme celui-ci, on lui fait juste un cinquième, on arrive à détruire un cinquième du vaisseau, ce qui est pas tellement. Donc ça c'est la bibliothèque, enfin c'est le magasin avec les bibliothèques des vaisseaux. Donc les 4 du milieu c'est des trucs déjà de base, et le Base Protect, le modèle Destroyer et le modèle Chasseur, ça c'est moi qui les ai fait. Le Base Protect j'ai fait sans mode créatif, hein, parce que comme vous pouvez le voir, autour des trucs bleus, enfin j'ai fait toute un carré de réacteurs qui coûtent extrêmement cher. C'est pour ça d'ailleurs que le vaisseau vaut extrêmement cher au passage. Même si c'est plus un vaisseau de protection, vu qu'il a pas beaucoup de trucs d'attaque, c'est plus un vaisseau de protection par rapport à celui-ci ou celui-là qui est, enfin surtout le destroyer où c'est vraiment du, ça vaut du pâté. Et ici dans Building the Ship, c'est des vaisseaux préfaits déjà qui coûtent plus ou moins cher la construction. Donc nous notre vaisseau il est petit pour le moment, il se déplace vite, il se déplace bien. Donc clic droit pour se déplacer, maintenir le clic droit pour se déplacer en choisissant la direction pour tendre une embuscade par exemple. Donc ici pour voir l'intérieur, enfin ça c'est pour voir l'intérieur quand c'est actionné, ici c'est pour voir les membres, ça c'est la décoration extérieure, on s'en fout, enfin on s'en fout, c'est pas, ça rajoute rien hein. Et ici le mode construction. Donc en mode construction, donc nos vaisseaux ne peuvent pas dépasser tout ce carré là, c'est déjà un très gros vaisseau. Le cercle que vous voyez ici c'est un cercle de détection. En gros quand un vaisseau en point rouge du vaisseau, enfin les vaisseaux représentés en point rouge, on rentre, enfin par exemple voilà, quand ce point rouge là rentrera ici, en fait je verrai quel vaisseau exactement ce que c'est. Et donc voilà, donc ici donc on peut construire des portes, hein, rajouter des portes supplémentaires pour permettre de mieux de voyager, enfin de pouvoir éviter de faire des sacrés détours. Ici pour ajouter des simples couloirs comme ici. Ensuite dans les armes nous avons les petits lasers, donc comme ce qu'il y a ici. Donc je vais en rajouter un là, ici et là. Donc ça ce sont des lasers. Ici ce sont des canons standards et ça de gros canons qui utilisent eux non pas d'énergie comme les lasers qui produisent par réacteur, mais des munitions produites par le canon Armour Factory, donc, qui fait des munitions mais qui se sert d'énergie. Et ici nous avons le Ion Beam émetteur, donc en gros c'est une espèce de rayon laser mais qui reste, enfin rayon laser droit, qui utilise beaucoup d'énergie et qui est pas forcément très utile sur des petits vaisseaux au début. Sur les gros, oui, mais sur les petits, non. Ensuite, on a la partie défense, donc avec les simples armures,
comme ici par exemple, double et sur le côté. Clic droit pour pouvoir tourner, faire rotation. Et ici c'est un shield générateur, donc un générateur de bouclier. Donc le bouclier se génère sur l'onde bleue. Donc c'est pour ça que voilà, si on veut tourner, si par exemple je veux protéger tout mon vaisseau, va falloir que j'en mette beaucoup. Ce qui est pas très utile au passage parce que ça consomme de l'énergie et même si ça t'empêche de prendre des dégâts, si les cartons ne peuvent plus tirer, ça sert plus à rien. Pour tout ce qui est vol, donc il y a la salle de contrôle, obligatoire si tu veux faire avancer ton vaisseau. Les moteurs de manœuvre, donc les tout petits moteurs, hein, comme ici par exemple. Les moteurs standards et les gros moteurs. Ces petits moteurs là, ça en fait ça permet juste de pouvoir tourner le vaisseau. Même si ici là il en a mis des plus gros, c'est pour permettre de tourner plus rapidement. Et ce gros moteur là, ça sert pour envoyer un gros coup de. Pour avancer beaucoup vraiment assez vite, mais c'est pour les gros vaisseaux. Et le FTL Drive qui sert à faire des sauts entre chaque planète. Pour le moment, je vais passer pour en acheter un. Ensuite on passe au crew. Donc les crew c'est l'équipage. L'équipage sert à piloter le vaisseau, il y en a besoin d'un ici, et à contrôler tout ce qui est canon. Accessoirement aussi à recharger les canons, les moteurs, les générateurs, tout ça en énergie. Donc là on peut voir qu'il y a certains canons où il n'y a personne, enfin il y en a un surtout. Et ça se voit surtout ici. On voit ici c'est le nombre de crew. Donc de membres, ici c'est le nombre d'énergie, le power. De ce fait là on peut voir qu'on est entre les deux, entre le minimum et le recommandé en power, donc c'est bon. Par contre on est en dessous au niveau des membres, donc pour cela par exemple je vais mettre un quartier ici, ce qui va faire que je vais recruter d'un coup 6 membres en plus, ce qui va permettre de mieux gérer le vaisseau. La power, donc le générateur qui produit l'énergie et le stockage pour stocker l'énergie. Y a rien de compliqué. Et enfin dans autre, donc il y a les structures qui servent, par exemple si je veux je faire ça puis là mettre un canon par exemple, les gens vont se balader sur les rails. Par contre si ça détruit, c'est beaucoup plus fragile qu'un truc en armure, donc c'est pas très utile. Et ici le sensor, ce qui permet d'augmenter justement ce fameux rayon de détection. Voilà, donc on a fait le tour à peu près du mode construction. Ici nous avons notre argent. Ici nous avons le fuel FTL qui permettra de faire des sauts FTL pour accessoirement changer de planète. Justement, parce que pour se déplacer d'ici à là, il faut des FTL. Et même aussi pour se déplacer de là à là ou de ici jusqu'à tout en bas. Bon, ça coûterait extrêmement cher en FTL, mais bon. Donc là, nous, notre vaisseau, c'est bien, c'est beau, il vole bien. Mais si c'est juste le but du jeu de faire un vaisseau qui vole, c'est cher payé pour ce que c'est, même si c'est gratuit. Donc nous, on va aller simplement taper un vaisseau. Donc là, on va sur notre map, la map a été remplacée par notre vaisseau. Et donc là, le vaisseau va entrer dans le truc de détection. Et moi, je vais lui demander d'attaquer le réacteur, car si on détruit le réacteur, le vaisseau ne marche plus. Donc là lui il va taper tout ça. Donc là lui il se retourne machin, il prend des dégâts et voilà. Détruit. Et donc là on a gagné de l'argent en le détruisant et on va faire ça à chaque fois. Il a accessoirement il m'a tiré dessus, donc on peut voir qu'il m'a endommagé ces deux canons. Donc je vais les réparer pour pouvoir qu'ils soient fonctionnels et voilà. Donc là on va aller s'empresser d'aller détruire les deux autres vaisseaux. Donc notre vaisseau doit être ici pour bien tirer. Je vais lui demander de tirer là. On va mettre sur play. Je vais le laisser faire. Je vais essayer de trouver l'autre. Et je vais aller le taper puisque bon, même si mon vaisseau prend très peu de dégâts, je sais que au début mes 8 armes suffisent largement, 8 petits canons suffisent largement à détruire les ennemis. Hop, donc ici c'est un tout petit vaisseau, il a un seul canon, donc il va détruire très rapidement. Voilà. Donc voilà, valou. Donc on va réparer notre vaisseau et on va le modifier, puisqu'il va nous falloir
un FTL, vu qu'on n'en a pas au début. Donc pour cela, c'est simple. Hop, je décale, je mets un FTL ici. Et voilà le sensor qui prend extrêmement beaucoup de place, hein, qui est pas très utile d'ailleurs en prenant autant de place. Et accessoirement, je vais mettre une zone de stockage. Comme ça, vu que je vais avoir des membres au bout d'un moment qui vont rien faire, ils vont stocker l'énergie ici, qui servira pour le vaisseau, ou justement, comme par exemple ici le saut FTL, donc il me coûte 16 points, j'en ai 52, c'est suffisant. Donc là, on va voir que tous les membres vont prendre l'énergie pour l'emmener dans le FTL. Et donc hop, on est parti, saut en cours, sauvegarde automatique, on change de planète, on arrive, et voilà. Donc là, maintenant, c'est la routine. Hop, on va attaquer le vaisseau, on détruit le vaisseau, on répare, on va en faire un autre, ainsi de suite, ainsi de suite. J'attends d'avoir énormément d'argent pour soit acheter un autre vaisseau ou améliorer carrément le sien. On va en faire un autre. Donc là, on va voir que celui-ci va prendre très très cher quand on va être à portée. J'ai détruit son canon principal et le réacteur est détruit. Donc lui a décidé de venir de lui-même vers moi, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste que bah il va disparaître bonnement et simplement en extrême vitesse. Donc là on va juste réparer puisque bon ce canon a quand même endommagé, on peut voir ici un canon là, ici il a été endommagé, non ça a été, il m'a cassé un réacteur ici, un canon là. Bon, voilà on va réparer, on va attendre que l'équipage fasse le plein d'énergie et on va aller s'y frotter un autre. Donc évidemment la série, le but ça sera de nettoyer entièrement tout le système, enfin toute la map, d'enlever tous les vaisseaux possibles. Donc évidemment toutes les petites planètes où il y aura des petits vaisseaux comme ça, je les ferai pas une par une. J'irai hors caméra, faire un gros coup de canon là-dedans, détruire tout. Je m'en servirai pour détruire par contre pour chaque nouvelle difficulté, évidemment j'en ferai une. Par exemple Vanguard qui est extrêmement grand et extrêmement blindé afin de pouvoir toucher ne serait-ce que son réacteur qui sert à ses canons et pas au réacteur qui sert à avancer, puisque plus les vaisseaux sont gros plus ils ont besoin d'énergie, donc plus les réacteurs sont plus il y a de réacteurs. Et voilà. Ensuite, on va aller s'attaquer à ce niveau de difficulté un peu plus supérieur. Donc là, il faudra faire légèrement plus attention car les vaisseaux sont plus équipés. À l'heure actuelle, par exemple, là, il produit pas assez d'énergie pour le FTL. Et, enfin, pas que le FTL, mais pour pouvoir fournir tout le monde. Bon, pour le moment, c'est suffisant. Hein. Voilà. Donc on va laisser faire le plein. Et on va aller se frotter au premier ennemi. Vous allez voir tout de suite que le vaisseau, logiquement, est plus armé, plus équipé et un peu plus imposant légèrement. Donc pour le moment, l'argent, là, j'améliore pas mon vaisseau, je garde pour pouvoir m'en acheter un deuxième, car deux vaisseaux, ça permet de faire plus de dégâts, surtout si on a deux fois le même que faire. Voilà, par exemple ici, on peut voir qu'il a la grosse bêtise, il a décidé de montrer ses réacteurs.
Donc je vais lui démonter. Donc là voilà, ses canons sont en train de me tirer dessus. Je me suis fait détruire. Ici on peut le voir sur la map en bas, ce qui me détruit. Bon, pour le moment, ne pouvant pas atteindre ces canons, je vais décider. Enfin, c'est. Je vais décider de tirer ici, ici, il y arrive. Afin de détruire ces canons qui me font extrêmement mal vu que j'ai pas de bouclier. Là, donc on va s'attaquer au deuxième canon. Donc on peut voir que là, que mon énergie n'est pas assez fournie pour pouvoir bien tirer. Donc on peut voir que là, il tape actuellement ici. Donc voilà, je le détruis. Donc là, on va détruire. Voilà, donc là on l'a pratiquement immobilisé, il nous fait plus de dégâts, donc là on va s'attaquer au corps en le bourrinant. Je vais juste vérifier sur la map que personne d'autre vienne. Et on l'a détruit, donc voilà. Donc lui il nous a fait extrêmement mal. Donc je vais juste surveiller, rajouter. Quelques canons supplémentaires, mais également un réacteur en plus, voire même des membres d'équipage en plus, puisque ça va commencer à être la dèche. Voilà. Donc là on a 2, 4 canons en plus, 6 pardon, excusez-moi, canons en plus. Ça va permettre de faire plus de dégâts rapidement, puisque généralement pour faire pas mal de dégâts, il faut utiliser ces petits canons là. Après, si on veut faire des gros dégâts à un seul endroit précis, il faut utiliser les canons à munitions ou le laser. Donc là on va arriver sur lui. Vous pouvez voir que là je vais pas me faire chier. Je vais lui demander d'ouvrir le feu directement là-dessus. Parce que voilà, regardez. Voilà. Je vais quand même décider d'éliminer les canons. Donc là on peut voir qu'il nous a abîmé un canon ici, enfin un moteur. Donc là on va finir nettoyer le système et on va arrêter, enfin on va pas aller en faire une autre, on va arrêter la vidéo, la première vidéo. Je vais continuer, enfin là je pense qu'on va avoir en fonction de l'argent peut-être racheter un nouveau vaisseau si on peut. Bah lui voilà, ça ce type de vaisseau est pas très bien puisque le réacteur est, comme vous pouvez le voir, sur le côté, donc très très vulnérable. Puis surtout que voilà, avec mes canons, ça fait pas long feu. Parce que pour acheter un autre vaisseau, même je pourrais même en acheter deux, voilà. Mais on va voir si j'en achète deux simples.
Faudra que sur celui-là aussi, accessoirement, j'en rajoute des moteurs, puisqu'on peut voir qu'il prend assez dur quand même à venir. Donc lui, il est assez blindé, mais voilà, capote. Donc on a le choix entre soit un modèle 01 ou un modèle R ou Z. Donc, techniquement, je vais prendre le modèle 0 que je vais acheter en bien évidemment en deux fois. Et celui-ci, je vais le modifier pour ajouter des moteurs. Bon, voilà. Voici notre armée. Donc on peut voir dans celui-ci, c'est juste des simples, c'est, on va dire, des petits vaisseaux. On va faire pareil sur celui-ci. Et voilà. Donc nous avons trois vaisseaux disponibles. On va se rendre ici. Sauf que je viens de le remarquer, mais les deux vaisseaux ici n'ont pas de quoi faire de saut FTL. C'est ici, il me faut 15 000, donc il va falloir 30 000 minimum pour pouvoir faire le 2. Donc c'est pas grave. Logiquement, si je reviens ici, je sais que... Alors je sais pas si je les ai... Ah, non, je les ai peut-être... Enfin, ils sont abandonnés, mais si je reviens, je pourrais les réutiliser. Donc on va vite fait, la vidéo va durer un peu plus longtemps que prévu. Je vais accélérer, si je sais ce que je vais faire, je vais accélérer le temps. Je vais accélérer le temps, je vais finir la zone. Aïe, j'ai été trop gourmand. J'ai été trop gourmand et je me suis fait détruire dans mon intégralité. Ce qui n'empêche que je vais quand même aller le démonter pour pouvoir retourner dans le positif. Puisque là, on peut voir que j'ai fait un sacré négatif. Donc voilà, donc dans les prochaines vidéos, je vais faire en sorte de récupérer l'argent nécessaire pour pouvoir faire les FTL des autres vaisseaux. Donc, on va sauvegarder. Voilà. Résume. Pause. Donc, logiquement, au pire, je crois que si je peux faire juste... Non, je peux pas faire... Donc voilà, je regagnerai l'argent nécessaire pour pouvoir avoir les autres vaisseaux avec les FTL. Donc voilà, donc c'est une petite série qui commence sur le jeu Cosmotir. Donc voilà.
C'était Kara Gaming TV, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Over.